Ma femme va accoucher au Maroc et je suis belge. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle vienne me rejoindre en Belgique avec notre enfant? Alors, deux choses. Premièrement, vous devez demander un passeport belge pour votre enfant. Et deuxièmement, il faut que votre épouse demande un visa pour l'accompagner en Belgique. Comme ça, ils vont pouvoir venir vous rejoindre tous les deux. Je m'explique. Puisque vous êtes belge, même si votre enfant est né à l'étranger, votre enfant a le droit d'obtenir la nationalité belge. De deux choses l'une. Soit vous êtes né en Belgique, et à ce moment-là, votre enfant devient belge automatiquement. Il suffit simplement de se présenter au consulat pour demander le passeport. Donc, ça va prendre des délais administratifs, mais en un mois, vous aurez le passeport. Soit vous êtes belge, mais vous n'êtes pas né en Belgique. Et dans ce cas-là, vous devez demander la nationalité belge pour votre enfant. La loi prévoit que vous avez un délai de 5 ans pour introduire la demande. Pour faire ça, il faudra, si vous habitez en Belgique, il faudra vous présenter à la commune pour signaler la naissance de votre enfant avec un acte de naissance apostillé, si c'est du Maroc, donc. Et sur base de ça, la commune va acter votre déclaration de nationalité et de nouveau délai administratif, ce qui veut dire que dans un délai d'un mois, un mois et demi, votre enfant aura la nationalité belge et à ce moment-là, il faudra demander un passeport pour lui auprès de l'ambassade du consulat de Belgique au Maroc. Donc, une fois que votre enfant aura la nationalité belge, lui, bien entendu, il pourra venir en Belgique sans problème, pas besoin de visa, puisqu'il aura un passeport belge. Pour que sa mère puisse l'accompagner et obtenir un titre de séjour en Belgique, elle pourrait bien entendu demander le regroupement familial avec vous, mais il faudrait notamment prouver que vous avez des revenus suffisants, il faut faire un dossier relativement compliqué. Le plus simple, c'est qu'elle demande la visa pour regroupement familial en Belgique avec son enfant, pour suivre son enfant en Belgique. À ce moment-là, on ne s'occupe pas de vos revenus, on va juste demander deux choses. La preuve que vous avez un logement décent, donc là, il faudra donner un contrat de bail enregistré ou un titre de propriété, et la preuve que vous avez une mutuelle qui va prendre en charge votre épouse quand elle arrivera en Belgique. Ça, c'est juste des formalités administratives. Sur base de ça, votre épouse demande un visa de regroupement familial auprès du consulat. Elle attend maximum 6 mois et une fois qu'elle a son visa qu'on ne peut pas lui refuser, elle va venir avec l'enfant vous rejoindre en Belgique. Quand ils arrivent en Belgique, vous vous présentez à la commune. L'enfant, il est inscrit à la commune en tant que belge, il reçoit sa carte d'identité belge. Et votre épouse, elle va recevoir une carte F, une carte de 5 ans, en tant que parent d'un enfant belge.